Il y a aussi une autre question pour répondre à une autre question qui a été posée par quelqu'un dans 1 Corinthiens chapitre 6. Et le verset, à partir du verset premier. Quand quelqu'un d'entre vous a une affaire contre un autre, ose-t-il bien aller en jugement devant les injustes et il ne va pas devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde doit être jugé par vous, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les choses concernant cette vie? Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, prenez pour juge ceux qui sont méprisés dans l'Église. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il donc pas de gens sages parmi vous? Non pas même un seul qui puisse juger entre frères, mais un frère a des procès contre son frère, et cela devant les incrédules. C'est déjà même un grand défaut en vous que vous ayez des procès entre vous. Pourquoi n'endurez-vous pas plutôt qu'on vous fasse du tort? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt du dommage? Mais au contraire, vous faites du tort et vous vous causez du dommage et même à vos frères. Donc, alors, on va aller voir rapidement de quoi il est question, parce que beaucoup de chrétiens aussi interprètent mal ce passage. Et ils confondent quand des gens se lèvent pour défendre la vérité. Et ils disent, mais c'est charnel, et c'est la guerre charnelle. Ça manque de sagesse, manque d'amour, manque de compassion pour les âmes, pour les frères. Déjà, il faut se poser la question, qui est frère et qui ne l'est pas? Amen. Amen. D'accord? Donc, un frère est un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Donc, quelqu'un qui a été justifié par le sang de Jésus-Christ et qui se force à se maintenir dans la sanctification parce que Dieu lui en donne les moyens. D'accord? Et donc, qui ne va pas volontairement pécher, coucher avec des femmes, voler l'argent du Seigneur et s'entêter quand il faut se repentir. Et c'est ça, un frère. On va prendre un passage pour l'expliquer et on va revenir sur 1 Corinthiens chapitre 6. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 10. Qu'est-ce que la parole nous dit? Et on va monter un peu, merci, à partir du verset 8. Celui qui pratique, on va remonter encore, on va remonter encore, merci. Et voilà. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc pêcher ici, et dans le grec, c'est un présent continu. C'est-à-dire pêcher de manière consciente et continue. D'accord? Donc, il y a une régularité ici, hein, par rapport au péché. Donc, et on continue, la parole nous dit, mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui fait ce qui est juste est une personne juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui pratique le péché, donc voilà le mot ici, le verbe, et celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Donc, Jean, l'apôtre de l'amour, nous apprend que celui qui pratique le péché, celui qui se complaît dans le péché, celui qui demeure dans le mensonge, qui prêche le mensonge, est du diable. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Nous ne voulons pas, nous voulons défendre la parole, ce qui est écrit. Voyez? Donc, celui qui pratique le péché, c'est le mensonge, hein, c'est le mensonge, le péché, ben, c'est le vol, le péché, c'est coucher avec des femmes d'autrui, le péché, c'est tromper sa femme, tromper son mari, le péché, c'est l'orgueil, c'est l'entêtement, le péché, c'est tout ça, là. Et le péché, c'est attribuer l'œuvre de Dieu à Satan, tout ça, là. C'est le blasphème, c'est le péché. Et donc, la parole nous dit que si quelqu'un se dit frère, est cupide, est idolâtre, et tout ça là, il n'est pas converti, il n'est pas chrétien. Et il faut même pas manger avec un tel homme, Paul dit dans 1 Corinthiens 5. Voyez, donc déjà on voit que un frère, c'est pas quelqu'un qui se complaît dans le mal, dans le péché. Voilà. Et on revient sur 1 Corinthiens chapitre 6. Et cette fois-ci, on va aller voir sur le lexique biblique. Le lexique biblique, on va aller sur Google, on tape lexique biblique. Voilà. Donc si je comprends. Voilà, c'est bon. Ah, lexique biblique. Peut le Donc, faire. on va aller sur, on va monter un peu. On va cliquer sur Second Strong.
second Strong, voilà. Et on va prendre 1 Corinthiens chapitre 6. Donc, on va aller voir de quoi Paul parlait. On va vérifier dans le grec. Hein, parce que dans la, sur le site de la BGC, c'est en anglais. Donc, les frères sont en train de travailler là pour mettre ça en français. Merci. Donc, on va au chapitre, verset 7, à la fin. On va cliquer sur dépouiller. Donc déjà ici, vous voyez, c'est frauder, hein, voler, dépouiller. Donc Paul parle des frères qui sont volés par d'autres frères. Il ne parle pas d'un problème, lié à la doctrine qui touche, n'est-ce pas, au corps. Mais il parle des affaires de cette vie, des affaires, n'est-ce pas, personnelles entre chrétiens. Et là, ils allaient dans les tribunaux, hein, pour trouver la solution. Tu vois? Et donc, on va aller en arrière. On va revenir sur... on va monter encore. Et plaider, juger, jugement, ne savez-vous pas que... Bon, on va cliquer sur au verset 4. Hein, les choses, quand vous avez des différends, donc je veux lire, quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie. Alors on va cliquer sur les choses de cette vie, on va cliquer sur vie. Voilà, et on va voir s'il est question ici de doctrine ou d'une affaire personnelle. Alors ici le grec c'est le biotikos, qui veut dire ce qui appartient à la vie et les affaires de cette vie. Et on voit ce mot-là qui est utilisé dans Luc 21, 34. Et on nous dit que le Seigneur nous dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Donc, voilà. Donc, vous voyez, dans 1 Corinthiens 6, Paul parle des affaires ou des soucis de la vie. On va revenir en arrière. Donc, on va cliquer sur un autre mot. Verset 4 dit, vous avez des différents. On va cliquer sur différents. On descend. Donc, instruments ou les moyens d'éprouver ou de juger, tout ça. Voilà. Donc, on va revenir encore en arrière. Je cherche quelque chose. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des aucun cas vous prenez pour juge. Attendez deux secondes, je vais le lire dans la, je vais lire à partir du verset premier. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Donc déjà ici, il est question des tribunaux païens, hein, des tribunaux des gens du monde, c'est-à-dire les vrais tribunaux. Il n'est pas question ici de l'exposition des péchés des gens, parce qu'on attribue ce passage à la dénonciation du péché ici et là. Non, ce passage fait allusion, hein, des affaires de cette vie. Entre les frères, des affaires notamment concernant l'argent, les biens matériels, tout ça, parce que des chrétiens qui étaient volés par d'autres dans leurs affaires, tout ça, donc il n'est pas question de l'exposition du mal, de l'exposition des faux frères. Ça n'a rien à voir avec ce passage-là. Tout est mélangé dans la tête de beaucoup de chrétiens. Et c'est pour cela que c'est mal compris. C'est pour cela que beaucoup n'osent pas prendre position pour défendre la vérité, parce qu'ils disent qu'il faut l'amour et parce qu'il faut pas l'amertume. C'est pas l'amertume. C'est le salut des âmes qui est en jeu. Amen. Vous voyez, c'est pas. Il faut vraiment que les choses soient positionnées, interprétées dans leur contexte, que les choses soient claires dans les esprits des uns et des autres. Il n'est pas question ici d'un problème personnel, mais il est question de prendre position pour défendre la parole du Seigneur, amen, pour défendre la vérité qui est de amen plus en plus menacée. C'est vrai. Hein, Paul dit à Timothée, on va le lire dans 2 Timothée 4, tout à l'heure, on va aller tout à l'heure, on reste sur 1 Corinthiens 6,
il disait qu'il fallait qu'il défende la vérité, qu'il fallait qu'il, n'est-ce pas, défende l'évangile. Quand quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider? Donc, plaider devant les injustes et non devant les saints. Donc, plaider ici, c'est aller devant, on va cliquer sur plaider. Il est question, c'est le verset premier. Plaider. On descend. Séparer, mettre à morceaux, démonter, choisir, sélectionner, approuver, estimer, préférer, être d'opinion, juger, penser, déterminer, se résoudre, décréter, juger. Prononcer une opinion concernant le vrai et le faux. Donc là, il est question ici d'aller devant un tribunal. D'accord? Devant un tribunal, n'est-ce pas? Pour dire au juge, voilà, cet homme était, on priait avec lui, ben, il me doit de l'argent. Et il ne veut pas me rembourser. D'accord? Et Paul dit, si c'est le cas, vous pouvez déjà voir avec, les frères de l'assemblée qui peuvent vous aider. Qui peuvent, n'est-ce pas, arbitrer la chose. Mais là, dénoncer le mal, dénoncer les faux, ça n'a rien à voir avec 1 Corinthiens 6. Là, c'est autre chose. Voilà. Donc là, il est question d'aller devant un juge et prononcer un jugement, assujettir à la censure de ceux qui ont une position de juge ou d'arbitre dans la vie courante ou jugent les faits, gestes et mots des autres. Vous voyez? Donc, il est question ici vraiment d'aller devant un tribunal. Voilà. Il n'est pas question de dénoncer le mal ou des fausses doctrines ou des faux frères. Il ne faut pas que les choses soient mélangées, mes amis, s'il vous plaît. Hein? Donc, il y a beaucoup d'incompréhensions. La parole est mal comprise et beaucoup ne veulent pas prendre position ouvertement. Ils veulent rester au milieu. Et ben, ils sont tout simplement dans l'hypocrisie. Amen. Tout simplement. Amen. Élie disait au peuple, jusqu'à quand allez-vous boitiller comme ça là? Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Amen. Si Yahweh est Dieu, allez vers Yahweh. Amen. Et le peuple n'a rien répondu. Voyez, donc c'est la position de beaucoup de chrétiens. Ils sont dans l'hypocrisie, ils sont dans la léthargie, ils peuvent être prédicateurs, ils peuvent être anciens, ils peuvent faire des vidéos sur le net, mais ils n'ont pas de position. Et c'est la lâcheté. Et beaucoup sont lâches. Effectivement. Quand il faut prendre position, ils vont dire, nous, on ne veut pas prendre position, tout ça là. Nous, tout est mélangé dans leur tête. Et c'est pour cela qu'ils font l'œuvre, mais l'œuvre n'avance pas. Voilà. Donc, on revient en arrière. Donc, vous avez vu, hein, donc, plaider, ce que c'est devant une autorité compétente. Voilà. Et Paul dit, justement, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par nous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Voilà. Donc là, on a vu différents. Hein. On va cliquer au verset 4. Différents, on l'a vu déjà. La vie, on l'a vu. On va aller voir au chapitre verset 7. Mon procès. Voilà, on clique dessus. Pareil, un décret, des jugements, condamnation, sentence d'un juge, tout ça. On revient encore en arrière. Il y a un mot que je cherche là-dedans. Donc, on était au chapitre verset 7. Donc, on va cliquer sur injustice. Injustice, on descend. Voilà, agir injustement, mauvaise action, méchamment, péché, être criminel, avoir violé la loi, faire le mal, faire souffrir. On redescend. On revient en arrière, pardon. Donc nous étions au verset 6, verset 8, dépouiller ou causer du dommage. Dépouiller, on l'a vu. On clique dépouiller. Donc frauder, voler. Donc c'est des chrétiens qui étaient... qui se faisait frauder, qui se faisait voler. Donc on revient. Donc là, il y a la question du vol, hein, non de la doctrine, tout ça là. Et dépouiller. On va aller après. Il y a on va cliquer sur la petite étoile qui. Voilà. On va aller chercher quelque chose. Donc on revient en arrière. Donc, chapitre verset 8 toujours avec des frères. Vous avez juste l'ensemble. Voilà. Donc, vous voyez, c'est
Et c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à ce passage-là. Donc, on va cliquer encore sur « vie », le verset 4. On redescend. Voilà. Donc, on redescend encore plus loin. Donc, voilà, c'est un terme qui a été utilisé à trois reprises. Et voilà, donc on revient en arrière encore. Je vous embête ce soir, excusez-moi. Merci pour votre compréhension. Et vous commettez l'injustice, vous dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Voilà. Et puis, on va cliquer sur prononcer. Verset 7. Verset 5, 5 je crois, ouais, 5. Voilà, séparer, faire une distinction, distinguer, préférer. Donc, apprendre le discernement, essayer de décider, déterminer, donner un jugement, décider dans une discussion. Et voilà. Donc, et ça, c'est aussi notre rôle, c'est distinguer, voilà, le rôle de l'Église. Donc là, dans 1 Corinthiens 6, on voit vraiment que c'est des différends que des frères avaient par rapport aux choses de cette vie, et pas aux choses du royaume. Pas à la doctrine, parce que la doctrine veut dire enseignement. Donc, ce n'est pas une discussion relative à la doctrine, mais c'est des disputes qu'ils avaient en relation avec, en rapport avec les choses. Je me répète encore, en rapport avec les choses de cette vie. On va revenir encore en arrière, les choses de cette vie là. Je crois que c'est utilisé à deux reprises, non? On revient encore au verset premier là. Ouais, tu peux parler, ouais, pas de souci, Rodi. Donc beaucoup utilisent en fait ce passage-là pour se couvrir. Pour se couvrir, pour dire qu'il faut pas dénoncer ouvertement, il faut pas citer les noms, parce que, vous voyez, c'est des païens, les païens vont voir ça, c'est à la télé, c'est sur le net, tout ça là. Et Jésus-Christ, quand il dénonçait les chefs, c'était devant les foules, devant tout le monde, hein. Devant tout le monde, c'est pas entre quatre murs, c'est devant tout le monde qu'il exposait leurs œuvres. Quand il va exposer dans Matthieu 23 les faux, les religieux, c'est devant tout le monde. Hein, dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 8, quand il a dénoncé, exposé les œuvres des ténèbres, c'est devant toute la foule, devant tout le monde, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, une fois même, il était invité par un chef religieux chez lui. Et il a dénoncé les pharisiens qui étaient là, il a dénoncé les docteurs qui étaient là, au point où un des docteurs dira, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu outrages. Vous voyez, donc beaucoup n'ont pas compris le côté de Jésus-Christ ou le côté révolutionnaire, le côté où il parle ouvertement, le côté où il prend position pour la vérité, défend la vérité, dénonce le mal, où il pouvait prendre le fouet, tout ça. Ils veulent seulement le côté doux, le côté n'est-ce pas l'agneau. Vous savez, il faut caresser, il faut l'amour, il faut la miséricorde, tout ça là. Tout ça là, oui, dénoncer le mal, c'est parce qu'on veut que les gens soient sauvés. Amen. Parce qu'on veut que les vies soient sauvées. Amen. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Et il y a le blé et il y a l'ivraie. Donc, la mission de cette chaîne de télé, c'est de défendre la vérité comme ça. Et c'est depuis des années que c'est comme ça. Amen. Donc, je sais que beaucoup peuvent nous envoyer des courriers, des emails, tout ça là. Mais nous voulons rester sur ce que Dieu nous dit. Et moi, personnellement, c'est ce que je ferai. Et ça a toujours été comme ça depuis 30 ans que ça dure. Et ici, en Europe, depuis quand j'ai commencé, depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Mais depuis ma conversion, que ça dure en fait, hein, depuis 30 ans que Dieu m'a appelé à lui. Et je veux dire, la vérité reste la vérité. Amen. Défendre la parole du Seigneur est très biblique. Défendre la vérité est très biblique. Amen. Défendre Amen. La doctrine est très biblique. Donc et voilà. Et ça, c'est on peut pas changer ça. Et dans les églises, justement, il y a pas ça. Dans beaucoup d'églises, il y a pas ça. Parce que on veut rester, bien sûr, biblique, parce que par amour pour le Seigneur et pour les âmes, Amen. Hein, par amour pour la vérité. Et Jérémie, quand il pleurait, son cœur était blessé de voir le péché de son peuple. Et il a fait tout un livre, les Lamentations de Jérémie. Et, voilà, c'est des gens qui ont beaucoup pleuré pour le péché qui sévissait et qui pouvaient prendre position pour la vérité en dénonçant le mal, justement. De toute façon, j'ai remarqué dans la Bible aussi que c'était les cris que le Seigneur écoutait. Donc forcément, crier dérange. Déjà forcément, forcément. Forcément. Donc, et je dis bien, c'est par période. Il y a une période où le mal va être dénoncé avec force.
Il y a une période où le Seigneur va demander à ce que son nom soit révélé. Il y a une période où on va parler sur la jeunesse, comme c'est le cas avec beaucoup de jeunes. Mmh. Donc, c'est des vents. Amen. Hein, Amen. C'est des vents de l'esprit. Et on va prendre un passage d'ailleurs par rapport à cela, dans Matthieu chapitre 3, Jean 3, pardon. Donc, à partir du verset, je crois que c'est le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et verset 8, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Amen. Tu vois? Donc celui qui est né de l'esprit ou celle qui est née de l'esprit ne peut pas être cerné. Amen. Ne peut pas être compris. Dieu peut lui dire, parle, parle. Il va parler. Les gens vont dire, c'est parce qu'il est blessé. C'est parce qu'il y a l'amertume. Pas forcément. C'est parce que Dieu veut que la chose soit dénoncée. Amen. Parce qu'il y a des vies qui doivent être éclairées. Amen. Il y a des pauvres, des faibles qui doivent être avertis. Amen. Et c'est comme ça l'évangile. C'est ça, défendre la parole du Seigneur, défendre la vérité. Tout le monde n'est pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Donc, voilà. Et le vent, il peut changer de direction à tout moment. Voilà. Et c'est ça l'appel que Dieu a mis sur la vie de tous ses enfants, parce que nous sommes ceux qui sont nés d'en haut, c'est comme de l'est, comme du vent. Et nous allons lire un deuxième passage avant de prendre la personne qui est en ligne dans Ecclésiaste chapitre 11. C'est vrai que je réponds en même temps aux questions que les gens m'ont posées et, dans les coulisses, donc j'en profite pour répondre avec la parole à l'appui. Voilà, donc vous avez vu, 1 Corinthiens 6 n'a rien à voir avec la dénonciation du péché, hein, l'exposition des faux frères. Tout ça, c'est en rapport avec les problèmes de cette vie que certains Corinthiens avaient entre eux, parce que certains s'étaient fait voler hein, par rapport à leurs affaires, tout ça. Donc dans Ecclésiaste 11, verset 5, on va prendre la sœur dans quelques minutes, dans quelques secondes. Au verset 5, il est dit, Ecclésiaste 11, 5, « Comme tu ne sais pas le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Tu vois? Donc, on comprend pas le chemin du vent. Qui peut suivre le circuit du vent? Impossible. C'est impossible. En fait, le vent ici, c'est bien sûr Ruach, c'est en même temps l'esprit. Donc, nous sommes nés d'esprit, nous sommes nés du vent. Et donc, on peut pas cerner, on peut pas dire, redis-toi, arrête de prêcher ça, hein? Prêche seulement telle chose. Mais si Dieu te, si c'est biblique, Dieu te dit, dénonce le mal, prêche la vérité, ben, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. L'objectif recherché, ce n'est pas de détruire, mais d'amener les enfants de Dieu d'abord à être éclairés. Amen. Voilà. Amen. Parce que il y en a, ils ne sont pas de Dieu, ils ne peuvent pas changer. Ils ne sont pas de Dieu. Paul dit, Jude et Pierre, ils nous ont dit qu'il y en a, ils sont nés pour être pris et détruits. Donc, ils ne peuvent pas changer. Et nous voulons crier, nous voulons parler au peuple de Dieu, qu'ils comprennent la parole, qu'ils comprennent le message du Seigneur, la vérité qui libère. Et l'objectif, ce n'est pas de dire non plus aux gens, venez prier avec Chora, parce que Chora n'a pas d'église, je ne recommande aucune église. Je ne recommande aucun pasteur. Oui, il y a des frères et sœurs qui sont sérieux, des pasteurs qui sont sérieux, mais moi, Dieu m'a dit, crie, sonne la trompette, et le reste, ce n'est pas ton affaire. Et s'il y a le péché, s'il y a le mal, dénonce. Celui qui se repent, ben, il est délivré par le Seigneur, il avance. Il n'y a pas de problème à cela. Mais ceux qui veulent détruire les vies, ceux qui veulent changer le message, combattre la vérité, eh ben, nous nous levons pour dénoncer leurs méfaits. Ce n'est pas pour, c'est pas un combat charnel, mais c'est pour défendre tout simplement la vérité. Amen. Voilà. Amen. Comme Luther. Pour finir, je disais à un frère, Luther, quand il a affiché sur la porte de la chapelle de Gutenberg et tout ça en Allemagne, les 95 thèses qu'il avait développées, mais écoutez, tous les paysans allemands ont découvert la vérité ce jour-là, mais c'était un tsunami dans le monde spirituel, dans le monde de l'Église romaine, ouais. Hein, dans le monde, dans le milieu du clergé, même du peuple, parce que les paysans ont découvert, parce qu'ils n'avaient pas la Bible, ont découvert la vérité. Donc il a dénoncé la papauté, il a dénoncé, n'est-ce pas, le système papal, non dans l'Église catholique romaine, parce qu'il a commencé d'abord là. Ouais. Et ensuite, Dieu l'a amené à aller sur la place publique pour exposer ces choses-là. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut avoir la liberté de pouvoir prêcher, notamment en Europe, tout ça. Parce que c'est des gens qui ont payé de leur vie, hein, certains.
et tout ça. Et ils ont été partout pour proclamer la vérité. Partout. Amen. Partout. Et on pouvait pas dire que Luther le faisait parce qu'il était amer. Il y a une souffrance dans nos cœurs parce que c'est la souffrance que le Seigneur met dans nos cœurs par rapport à l'état de nos églises. Amen. Par rapport à l'état des chrétiens. Écoutez bien, quand on parle de l'état des églises, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas dans une assemblée locale et qu'il est chez lui seul qu'il n'est pas contaminé. La paganisation de l'église n'a rien à voir c'est avec les bâtiments, avec les, c'est d'abord dans l'esprit que ça se passe. C'est au niveau de l'esprit. Amen. Quelqu'un peut ne pas être membre d'une église locale tout en croyant être délivré de la paganisation alors qu'il est complètement contaminé. Amen. Donc, comprenez. Donc, aujourd'hui, le Seigneur a libéré un message qui doit nous libérer tous, que nous devons tous revenir au Seigneur. Et puis voilà. Donc, nous tiendrons ferme comme ça jusqu'à la fin au nom de Yeshua. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. J'appelais juste pour partager un peu, en fait. Parce que le message en fait m'a beaucoup touchée. Je suis une jeune et quand je vois tout ce qui se passe, je vois en fait que c'est pas le message qu'ils attaquent, mais c'était vous. Et en fait, je me rends compte que le message n'est pas attaquable parce qu'il n'y a rien de mal à parler de la sanctification, il n'y a rien de mal à parler du péché, de la masturbation, de toutes ces choses. Donc, c'est vraiment le message qui change les cœurs. C'est le message qui m'a changé parce que lorsque je suis dans mes problèmes, c'est Jésus que j'appelle. C'est pas Ashura, c'est pas une autre personne, c'est pas Ashura qui me sauve, c'est pas vous, c'est vraiment la parole. Et c'est ce que la jeunesse, elle a besoin d'entendre la parole. Et cette parole, on voit bien, lorsque je parle à quelqu'un de Jésus, je parle pas forcément d'une église, de quoi que ce soit, mais par le fait que je vis Christ dans ma vie, bah, les gens, ils voient. La jeunesse, elle voit, ils disent oui, mais en fait, par ton comportement, t'es pas comme les autres. Mmh. Et là, je dis, mais en fait, oui, parce que j'ai entendu quelque chose qui m'a touchée. J'ai entendu que Jésus, il va revenir, il va sauver. Et si je reste dans mon péché, j'irai en enfer. Mmh. Donc, les gens, ils sont touchés pas par rapport à un homme, pas par rapport à moi. Mais je présente pas un homme, en fait, je présente Christ, je présente Jésus. Et par cela, ça interpelle les gens. J'ai pas forcément qu'ils vont être sauvés, mais au moins, ils ont écouté la parole. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire, nous, en tant que chrétiens, c'est de bénir tous ces gens. Ils ont besoin d'être bénis parce qu'au fait, eux-mêmes, ils sont égarés. Et c'est les gens, au final, qui ne faisaient que profiter de l'onction qui était autour de vous, au final. Parce qu'ils ont jamais connu l'humilité, ils ont jamais connu l'amour. Parce qu'au final, on peut pas connaître l'amour, on peut pas connaître l'humilité et ne pas pouvoir arriver dans une situation, ben, pratiquer tout ce qu'on avait parlé, tout ce qu'on avait dénoncé, soi-disant. Donc, tout ce qu'on peut faire, moi, en tant que jeune, c'est vraiment de bénir. Je glorifie même Dieu pour vos combats, pour tout cela, parce qu'au final, ben, il nous taille tous par ces moments difficiles et il va que glorifier son nom. Moi, j'étais dans le péché, j'étais dans tout, et même si c'était dur, plus elle était dure, cette parole, mais plus je voulais l'écouter, plus je voulais me sentir. Parce qu'au final, elle faisait pas forcément du bien à ma chair, mais elle me faisait du bien parce que l'Esprit de Dieu se mouvait en moi. Donc je glorifie vraiment Dieu pour tout ce qu'il fait, pour cette jeunesse qui est tout. Amen. Pour cette jeunesse qui touche, pour tout ce qu'il fait, il va continuer à faire. Merci Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Merci ma soeur pour ce puissant témoignage.